D'après un article d'un journal local, Emmanuel de Rosa a déclaré avoir reçu des injures, des menaces, et notamment la menace de mettre le feu à la salle de l'exposition. Alors je crois que c'était nullement dans nos intentions et je suis choquée qu'elle déclare l'avoir vue sur Internet, étant donné que cet appel à la prière de réparation n'a pas été relayé de façon publique. Ensuite, un peu plus loin, elle déclare que elle ne sera pas présente lorsque les catholiques viendront prier en réparation de cette exposition blasphématoire. Et alors, elle donne toute une liste de qualificatifs, pas très ragoûtants à notre encontre, que vous pouvez voir sur la capture d'écran de cet article de journal. Et c'est foncièrement malheureux parce que il aurait été bon, je crois, que nous puissions avoir un contact avec elle et discuter simplement en douceur et qu'elle puisse prendre connaissance des raisons qui font que ce qu'elle fait nous heurte, tout simplement. En tout cas, nous avons également adressé nos prières à son intention pour sa conversion et pour son salut. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cassandre. Alors, il paraît que vous êtes donc l'organisateur de ces prières de réparation ce soir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui vous ont motivé à venir prier devant la salle d'exposition? Eh bien, les raisons sont toutes simples. On a marre d'être pris pour d'être toujours blasphémé par rapport à cette exposition qui est un blasphème envers Jésus et Jésus crucifié. C'est inadmissible. C'est une christianophobie ambiante. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Bonsoir Marie-Vonne, alors vous êtes ici présente près de la MJC Bazin où a lieu donc l'exposition. Est-ce que vous pourriez nous faire connaître les motifs de votre engagement ce soir? Alors je trouve que cette exposition est vraiment irrévérencieuse, irrespectueuse de la croix, et donc j'estime qu'il faut faire une prière de réparation. Comment vous avez eu connaissance de cette exposition? Oh, c'est mon mari qui m'a montré ça sur son téléphone, donc voilà. On est mariés, on communique. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait eu un vernissage et que des élus locaux se soient probablement rendus à l'ouverture de cette exposition? Mais la plupart des officiels, non seulement n'ont plus la foi, mais ne respectent même pas la foi des autres. Ça, c'est vrai. Surtout pas la foi des catholiques. Hein. Surtout. Surtout, c'est ceux qui sont les plus attaqués. C'est normal, c'est ceux qui ont la vérité. Oui. Ah, c'est vrai. C'est bien parlé. Merci, Marie-Vonne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah oui, Christian, je vais. Nous allons rester en réparation de cette exposition blasphématoire. Toutes ces personnes qui ont coopéré de près ou de loin à cette chose qui est monstrueuse, cette exposition monstre sacré. En réparation à cela, en implorant pardon au bon Dieu. Ceux qui ont œuvré, dont l'artiste, cette pseudo-artiste, Emmanuel de Rosa. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Premier mystère, le regret de nos péchés. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus fructus tui. Jesu, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Du Christ répandu sur la terre pendant son agonie. Sauvez-nous. Sang du Christ versé dans la flagellation. Sauvez-nous. Sang du Christ émanant de la couronne d'épines. Sauvez-nous. Sang du Christ répandu sur la croix. Sauvez-nous. Sang du Christ pris de notre salut. Sauvez-nous. Sang du Christ sans lequel il ne peut y avoir de rémission. Sauvez-nous. Sang du Christ nourriture eucharistique et purification des âmes. Sauvez-nous. Sang du Christ fleuve de miséricorde. Sauvez-nous. Sang du Christ victoire sur les démons. Sauvez-nous. Sans lui Christ, force des martyrs. Sauvez-nous. Sans lui Christ, vertu des confesseurs. Sauvez-nous. Sans lui Christ, source de virginité. Sauvez-nous. Sans lui Christ, soutien de ceux qui sont dans le danger. Sauvez-nous. Sans lui Christ, soulagement de ceux Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cassandre. Alors, il paraît que vous êtes donc l'organisateur de ces prières de réparation ce soir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui vous ont motivé à venir prier devant la salle d'exposition ? Eh ben, les raisons sont toutes simples. On a marre d'être pris pour d'être toujours blasphémé par rapport à cette exposition qui est un blasphème envers Jésus et Jésus crucifié. C'est inadmissible. C'est une christianophobie ambiante. Et si personne ne répare, qui le ferait ? Donc voilà, nous avons pris l'initiative, les personnes de bonne volonté, avec un appel assez important, en fait, conséquent. Et malheureusement, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein. Peu de monde, malheureusement, a été sur place, à genoux, en priant. Le chapelet, la litanie du précieux sang, la litanie de la Vierge Marie, devant l'endroit où l'exposition blasphématoire envers Jésus et Jésus crucifié, fait par une certaine pseudo-artiste, Emmanuel de Rosa, dont j'oublierai rapidement son nom. Justement, donc une faible mobilisation, mais une mobilisation quand même, puisque les prières sont montées jusqu'au ciel ce soir. Nos intentions ont été reçues, mais que pensez-vous de l'absence de réaction de la part du diocèse de Nancy ? J'ai eu l'occasion de Nancy, en fait, au téléphone, et il m'a dit qu'il faut écrire. Il faut écrire sans me rentrer dans le détail. Il a été relativement évasif. Il n'y a pas de... Oui, mais il faut lui écrire à lui ou pourquoi on lui écrirait au vicaire ? C'est à lui de réagir par rapport à cette exposition ? Exactement, il n'a pas précisé. Il était très évasif. Hein, donc, il a pris connaissance de cette exposition blasphématoire et donc il n'a pas fait relativement état. Rien comme du tout. Si, il y a une certaine laxisme. Il laisse faire. Il laisse complètement faire. Il a abandonné. Tout à fait, tout à fait. Mais à Saint-Georges, où nous sommes venus en procession, vous avez donc porté cette grande croix en bois. Dans cette église, c'est une église protestante ou catholique ? C'est une église catholique. L'église que pense le curé du lieu de l'exposition qui a lieu à deux pas ? On a perdu de vue un inconnu au bataillon, voilà quoi, donc porté disparu. Voilà. C'est desservi en fait par la cathédrale de Nancy, la cathédrale d'Annonciation, cette église. Oui. Donc voilà, elle est ouverte tout avant. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang et vous avez fait de nous le royaume de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui avait constitué votre Fils unique rédempteur du monde et avait voulu être apaisé par son sang, faites, nous vous en prions, que vénérant le prix de notre salut et étant par lui protégé sur la terre contre les maux de cette vie, nous recueillons la récompense éternelle dans le ciel par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci.
litanie de la très sainte Vierge Marie. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit saint qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité sainte qui êtes un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Sainte Marie. Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous. Mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Écoutez-nous, espèce au Saint-Saint-Saint. Ave Maria, écoutez-nous, priez-nous. Ave Sospira, je n'aime personne que Dieu. Sang du Christ répandu sur la terre pendant son agonie. Sauvez-nous. Sang du Christ versé dans la flagellation. Sauvez-nous. Sang du Christ émanant de la couronne d'épines. Sauvez-nous. Sang du Christ répandu sur la croix. Sauvez-nous. Sang du Christ pris de notre salut. Sauvez-nous.